Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un lieu très particulier pour un test qui l'est tout autant. Bonjour et bienvenue sur Villebroquin. Vous savez, on nous fait souvent des propositions de partenariat où on nous propose des placements de produits. Et une marque aujourd'hui nous a proposé de placer leurs produits. Et ils nous ont dit que pour faire ça, ils avaient... 0€. Zéro. Et on a dit oui. Déjà parce qu'on peut faire ce qu'on veut, et surtout parce que... C'est censé marcher. Mais quand ça... quand... alors... Ah! C'est pas ouf! Pété le truc, ça y est. Oula! C'est le. Oh! Oui! Oh putain! Ah! Ouais! C'est vachement cool! C'est trop bien! C'est pour ça qu'on a fait ce placement de produit pour 0€! Non, ah non! Arrête! Ah non, arrête! Ah non! Ah non! Fallait pas appuyer sur le bouton! J'ai rien fait! Je te jure que si! C'est vachement bien! Allez! Ah, oh putain de merde! Oui! Hop là! C'est pas cool? C'est vachement bien! Bon, on n'a toujours pas vraiment compris le concept du produit, mais on s'est dit qu'il fallait le tester quand même. Le fabricant nous a assuré que ça tenait jusqu'à 50 km/h de vent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 50, hein ? C'est beaucoup en vrai, hein ? C'est beaucoup, 50. Le seul problème d'un test impliquant du vent, c'est que cet élément est difficilement contrôlable. Alors si le vent ne vient pas à nous, nous viendrons au vent. Bon, dans un premier temps, je rappelle que la piste est fermée. On l'a fait fermer exprès pour ça, donc aucune chance de croiser des gens. Deuxièmement, le multiplat est complètement mort, c'est-à-dire qu'il a plus de 321 609 km, il passe plus le contrôle, et il va terminer à la casse. Cette voiture est donc morte. Mais elle marche encore, c'est pas mal. Non. Elle marche de temps en temps. Bref, le test. Bon, l'objectif, c'est d'atteindre 50 km/h puisque ça résiste à 50 km/h. Donc, ben, 30. 40. 50, on est à 50, ça tient encore. Eh, ça marche, hein? Ça tient bien, hein? Ben oui, je pensais pas, mais oui. On essaye plus. On a encore un petit peu de marge, quoi. Je te suis. Soixante, 70, 80, 90, 100, on est à 100. Oh, merde. Wow. Merde. Il y a peut-être un coup de multiplat dessus. Wow. Ah, ça a tenu, hein. Alors ça tient. Et l'avantage, c'est que c'est des boutons pression. Donc en fait, c'est même pas vraiment cassé. Vite fait quand même, parce que j'ai...
Allez, dans la voiture. Ça suffit, je crois que le test est concluant quand même. Il y a peut-être un problème ou deux sur la toile, mais trois fois rien. Oui, ça marche encore. Et ça marche! Voilà! Superbe! Yes! Malgré cette formidable réussite, nous devons quand même concéder que la visibilité n'est pas optimale une fois en route. Pas rien. Merde. Nous sommes quand même allés prendre un peu de bon temps. Et c'était l'occasion de tester une nouvelle fonctionnalité de cet exceptionnel produit. Alors, j'ai lu sur le site du fabricant... Oula, waouh. Ah d'accord. J'ai lu qu'il y avait un... On peut en faire un truc de camping. Bon bah là, on n'a pas le... Ils nous ont pas envoyé le truc avec le pied, du coup on peut pas. Mais on peut en tout cas se mettre à l'abri. D'accord. Ouah. Pierre. Oui. C'est le chaos là-dessus. Reste là avec nous, hein. Reste là. Yes. Voilà. J'aimerais mettre en avant la praticité du produit. Et j'ai vraiment piégé là par contre. Ah. J'ai vraiment pris. Ça marche. Et c'est quoi qui me retient là? Ah non, c'est juste le... Il y a un truc qui bloque, non? Mais non. Attends. Oh oui! Ah oui, t'es pas bête! Ah ouais, ça c'est malin ça! Voilà! Comme ça, on est abrité! Eh, ça tire vachement bien les gars! Ça tire super bien, n'empêche! Non, si, ça tient quand même! Ça résiste! C'est superbe! Déjà, le multiplat où tu portes les sièges. Et ensuite, le lendemain où tu peux. On se fait chier quand même là, hein. Ouais, on s'emmerde, hein. Mais on est à l'abri. Un produit tellement merveilleux qu'il a même fini par attirer quelques visiteurs pas vraiment désirés. Alors, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de canards ici en fait. Non plus. Oh. Se faire déglinguer. Au je suis pas sûr après. Au moment où on aura plus de bout de pain. Ouais. Va un peu loin là-bas. En vrai, on aimerait partir en vie, s'il vous plaît. Attaque. On propose du MMA de canard sur Villebroquin. Regardez ce qu'on vous propose sur Villebroquin, un petit peu comme c'est beau. Alors, je te propose un repli stratégique dans le véhicule. Ouais. C'est-à-dire que... On va faire comme ça, je crois. Hein. Laissons les sièges sur place. Voilà. On n'aura jamais le temps de déranger. Attends maintenant. Je rentre par là, moi. Salut. Bon, on est gentil, ne nous attaquez Tiens. Pas. Pierre, j'ai peur. Tiens. Il y a des canards derrière ou pas? Non, vas-y. Enfin, si, mais pas directement derrière les roues. Tu me donnes une alerte au canard, hein? Ouais, vas-y. C'est rien. Le multiplat est triste, il pleure. Ouais, je peux le retenir. Oh, Camille, elle s'approche hyper près, elle va se faire bouffer. Si, mais parce qu'en fait, ça doit cramer sur le pont là. C'est vraiment que ça brûlait directement au sol en fait. Ah, ça m'étonne pas des masses. Donc ouais. Résistance au feu, moyenne. Wow. Allez, tu ranges? Bah oui. Maintenant qu'on est sauf. Et ça marche. Tu vas accompagner un peu, mais ça marche. Et voilà. Attends. Elle a survécu à une attaque de canard. À 300 mètres au sol.
Et ça marche encore. La test réussi. Pour cet ultime test, nous allons mettre à l'épreuve le point le plus intéressant de ce formidable produit, la résistance. Nous sommes aujourd'hui à Atismon chez Allo Casse-Auto, car quoi de mieux pour tester ce fabuleux produit que de prendre la plus grosse casse-auto d'Île-de-France. Merci. Ce qui nous a convaincus de tester ce produit gratuitement, je le rappelle, c'est qu'il résiste aux chutes d'objets. Ouais, ouais. Ça paraît complètement fou, hein. Mais apparemment, c'est le cas, en tout cas, dans la vidéo promotionnelle. Bon, c'est pas vrai, en fait, c'était une bonne excuse pour se faire prêter une grue et casser des trucs. Et en parlant de grue, d'ailleurs, c'est Pierre qui s'y colle aujourd'hui. On me dit que Pierre est aux commandes d'une grue de plusieurs tonnes, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Pas de carte vitale en plus, hein. Bref, l'action. Dans un premier temps, on va essayer de jeter des objets dessus. Des petits ou plus gros objets. Nous avons pour commencer un rouleau de papier toilette, visiblement d'occasion. Oui. Qui a bien servi. Pas mal, pas mal. Amazing, amazing, wonderful, wonderful. Ça marche super bien. Land model, amazing. Amazing. Je t'invite à quelle pince tu veux. J'ai coupante ou écrasante. J'aime bien couper, moi. T'aimes bien couper? Oui, bon bah... Cool! En tout cas, ça marche bien. Ok. Alors, faut viser sur la toile, quand même, juste voilà. Pour ça va! Je fais ce que je peux. Eh, ça tient! Ça marche, ça pas tient mal, hein. Vachement bien. C'est en super vrai, en vrai, ça tient pas mal. La toile ne bouge pas. Un petit peu plus lourd. Nous avons un ressort d'amortisseur, probablement. Qui doit faire en vrai facilement 2,5 kg, 3 kg. T'es prêt? Allez. J'y crois pas une seconde. Allez. En vrai, moi ça sent le. Oh putain, ça n'a. Alors, avant de passer par le trou, ça a super bien tenu. Avant de tomber, le multiplan n'a rien. Je souligne la qualité italienne. Alors, faut aller le mettre au bon endroit, regarde. Alors, si c'est pile au milieu. En fait, il faut que la grêle tombe au bon endroit. Oui, si la grêle tombe au milieu, ça va. Le multiplat, il a échappé. Ah mais ça, c'est la GoPro. Il y a la GoPro dedans. Oui. Voilà. Il y avait la GoPro dedans. Ah oui, hein. Merde. C'est pas mal, ça tient bien. Hein. Tient bien, mais... Il faudrait plus gros. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'arrive. Non, mais un tout petit peu plus gros. Hein. T'inquiète pas, j'arrive. Non, parce que je le connais un peu maintenant. Non, il y a peut-être une nuance entre... C'est beaucoup plus lourd, là. Ah ouais, mais bon... Faut essayer. Tu sais même pas conduire ça, tu vas tuer 5 personnes. Comme ça va aller. Petite portière, j'arrive. Ouais, ok. Hop. Et on lâche. Merde. Pierre, sur la voiture, c'est mieux. Oui, bah, j'aimerais bien t'y voir, c'est pas si facile, ok? Attends, j'ai une idée, parce que là, c'est pas facile à viser, elle est trop haute, j'arrive pas, j'ai pas le bon angle. Est-ce que tu peux la mettre par terre, la toile? Ok.
Malgré cette demande inattendue, j'ai décidé de m'exécuter. Et de m'éloigner un peu plus aussi. Faudrait pas la casser parce que... Ah, c'est bon! Ok Pierre, tu peux y aller pour... Très bien, voilà. Ouais. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, c'est fou. Putain, mais Pierre, mais tu le fais exprès, putain, mais... C'est pas compliqué, tu... Le test de la porte, pas le métier, à quoi ça fait ça? Fais pas semblant de pas m'entendre, Pierre! Je sais que tu m'entends! Ah ouais, là c'est compliqué, là. Tu es allé chez l'opticien? Mais oui. Non, mais non, si. Ne me mens pas. Mais non, je mais... le vois que tu y es pas allé. Mais c'est que c'était drôle. C'est vrai que c'est drôle. Bon, bah alors. Oh là 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 là, le chantier. Tu peux repartir à la maison avec un volant de multiple, si tu veux. Ça se met... Oh, c'est lourd, qu'est-ce que c'est lourd. Je précise que l'horloge marche toujours. Oui. Donc ça va. Il y a presque moyen de le faire rerouler. Moi, je suis sûr qu'il démarre. Allez, vas-y, ça peut être emmerdé. Ouais, de toute façon, il y a déjà de l'électricité. Oui, mais si ça... Si on... L'étincelle. Ouais. Ça marche pas? Non. C'est... Étonnamment. Non. Étonnamment, ça ne marche pas. Où est le capot là-dessus? Ça, c'est dans mon doigt, ça. Hop. Ah, ouais. Ah, il était déjà ouvert, de toute façon. Oui. Pardon pour le... Le Land Modo qui, au passage, on a même pas regardé le Land Modo, mais qui n'a pas... beaucoup apprécié le traitement. Oh merde, mais c'est pour ça que la boîte est par terre. Ouais, et ben il y a le moteur qui appuie bien dessus. Bah oui. C'est un moteur sport, il est rabaissé. Oui. Centre de gravité toujours plus bas. Toujours, c'est important. Oui, oui, oui. En vrai, ça doit... il a quand même un peu de rigidité. Donc en vrai, il y a moyen. Je suis sûr que cet enfoiré, il a tenu. Ah, il y a des trucs qui coulent dessus par contre. Hein. Oh, on a pété le carter lui, là. L'huile ou du gasoil, là, je sais pas. Ouais, ça va être... Bon, juste un dernier point. Oui. On a galéré pendant 5 mois pour trouver un circuit. Oui. Pour trouver une casse auto qui veut bien faire ça. Oui. On a attendu le produit qui venait de Chine. Oui. On a trouvé une voiture faire ça. Tout ça pour prouver... Rien. Si, que Land Modo, c'est vachement bien. Modo, c'est super. Ouais. C'est du gasoil, hein. Attention. J'adore, ça c'est ma vie ça. Faut vraiment qu'on arrête cette façon de prendre. Vraiment. Oui. Ça freine bien.
Par contre, il freine. C'est une bonne chose.